France. La joie et le soulagement dans le camp tricolore. Claude Haché, patron de la candidature, se laisse aller, félicité par Bernard Laporte et Sébastien Chabal. Ça va redonner du dynamisme à nos écoles de rugby. Ça va remettre notre sport en valeur, qui, je crois, en avait bien besoin. Ça va nous permettre aussi, et permettre surtout à Bernard et à ses équipes, de réinvestir voilà, sur la formation des gamins. Voilà, depuis 6 mois, avec Claude, avec Sébastien, avec tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier, c'est le tour du monde, essayer de convaincre, de montrer que notre dossier était le meilleur. Jusqu'à cette nuit, on a essayé de montrer que notre dossier était le meilleur. Côté sud-africain, c'est la stupéfaction. Battue 24 voix à 15 au second tour, l'Afrique du Sud avait pourtant reçu la préférence de la Fédération internationale dans son rapport il y a 15 jours. Le lobbying des Français pendant ces 2 semaines a été déterminant. Pendant 15 mois, le processus d'attribution a été vraiment très transparent. Mais ces 2 dernières semaines, il est devenu complètement opaque. Il y avait des règles, nous avons joué selon ces règles jusqu'à aujourd'hui. Mais certaines règles ont été bafouées, et c'est ce qui nous agace. C'est la première fois de l'histoire que la fédération vote contre la recommandation qu'elle a faite. Une victoire personnelle pour Bernard Laporte, qui s'est battu contre cette recommandation de World Rugby et qui remporte le premier succès d'un mandat agité. Un an avant de recevoir les JO, la France accueillera le monde du rugby dans 9 stades déjà utilisés pour l'Euro 2016 de football. Un enchaînement qui place l'Hexagone et ses infrastructures au cœur de la planète sport.